Ouais, ça va ou quoi? Tu fais quoi là? Hein? Voilà. T'es chaud, on va filmer. Tu viens, on va filmer. Ouais. Vas-y. T'inquiète, c'est rien, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est tout. Vas-y, frérot, on est ensemble. Ça alors, je ne le crois pas. Non, je plaisante. C'est exactement ce que j'attendais. De toute façon, s'il avait dit oui, j'aurais pas fait cette vidéo. Donc, bon, vu que j'ai beaucoup de messages, on me demandait qui me filmait lors de mes petites vidéos narratives sur Instagram. Ben, je vais répondre, je vais casser le mythe, comme on dit. C'est moi. Ou sinon, c'est mon frère Faïz ou mes petits frères et sœurs, c'est déjà arrivé. En fait, ça, c'est quand j'ai besoin d'un vrai mouvement pour un plan. Bah là, je fais appel à quelqu'un, si jamais ils sont disponibles. Si jamais. Ah ouais, aussi, il faut savoir que voilà, mes petits frères et sœurs sont petits, ils sont à l'école. Ils savent absolument pas utiliser une caméra. Faïz, non plus, je crois, hein, d'après ce qui s'est passé il y a 2 jours. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais un shooting photo. Et là, je sors mon appareil et je vois qu'il est complètement déréglé. Ça prenait pas de photos, je comprenais pas ce qui se passait. Et après, on me demande, bah Fayel, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un peu tendu. Et ouais, elle était bien renseignée, ouais. J'étais tendu, ouais, j'étais bien, bien, bien tendu, hein. En fait, ce qui s'est passé, c'était que la veille, ou l'avant-veille, je sais plus, Fayel m'envoie un message. Comment on met le mode photo MDR? Donc, je lui réponds, hein, naturellement, je lui explique comment faire. Pas de nouvelles. 15 minutes après, il me renvoie un message. L'appareil, il a pris que des vidéos, je comprends pas. J'ai pas calculé. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Il a pas su gérer, c'est pas grave. Et après, quand j'ai pris l'appareil, ben, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû calculer. Juste une petite anecdote pour dire que quand on filme, c'est quand j'ai vraiment besoin d'un vrai mouvement. Et c'est absolument pas des gens qui maîtrisent hein, la vidéo qui me filment. Pas du tout. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, je pense que. Tu peux donner ta caméra à n'importe qui, tu dis ouais, tu filmes comme ci, comme ça, ceci, cela. C'est pas compliqué. Voilà, bref. Premier conseil que j'ai à donner, reste simple. Reste simple. Ça sert à rien de vouloir faire des trucs trop compliqués parce que dans ce cas-là, tu vas vite sentir que t'es tout seul et tu vas vite sentir à quel point t'es limité quand t'es tout seul. Donc, reste simple. Maintenant, on va parler matos. Pour me filmer tout seul, la caméra que j'utilise, et je pense que c'est celle que tu devrais aussi utiliser, hein, vu que c'est la meilleure. Pas me vanter, mais voilà, c'est celle que tu as à portée de main. Tout simplement, on va pas faire compliqué de ceci, boîtier, cela. Non, prends ce que tu as, c'est déjà bien. Hein? T'as pas de caméra. C'est quoi ça? C'est un iPhone 7 Plus, mais ouais, c'est quoi ça? C'est un iPhone. Y a pas une caméra sur un iPhone. Même un Samsung, hein? Y a pas une caméra sur un iPhone. Ou un Samsung. Si. Commence avec ça. Eh, hey, comme on dit, hein. Enfin, je sais pas si quelqu'un a dit ça, mais je crois que quelqu'un a dû dire ça en vrai. C'est pas le pinceau qui va faire le beau tableau. C'est celui qui le tient. Et pour la vidéo, c'est pareil. Pour la photo, c'est pareil. Bon, ils font donc caméra, ce qui va avec, donc filtre, micro, etc. Et trépied. Pas besoin de grand-chose. Caméra, trépied. Il y en a assez. Après, il y a d'autres trucs qui pourront venir aider, mais. C'est des trucs dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va parler de la composition. Pour moi, le fait de me filmer tout seul, ça a été ce qui m'a permis de progresser le plus dans ma vision cinématographique. Le fait que tu sois obligé d'imaginer ta composition alors que t'es pas dans l'image, ça te fait travailler énormément. Une fois que j'ai trouvé ma compo, je vais me placer. Après, je fais quelques petits allers-retours pour ajuster parce que souvent, quand c'est des plans serrés, surtout quand tu bouges d'un petit centimètre, t'es hors cadre, enfin, c'est un peu une galère, mais. Après, pour la composition elle-même, il y a tellement de moyens de composer une image. Bon, la plus connue, c'est la règle des tiers. Après, il y a la spirale. Il y a tellement de trucs, en vrai, je pourrais y parler pendant des heures. Donc, c'est tellement beau, c'est. Après, pour les plans, sachant que la caméra bouge pas, j'essaye de varier large, médium, serré, pour que ce soit plus entraînant à regarder, parce que si on reste tout le temps sur un plan large, pendant 15-20 secondes, c'est pas. Sauf quand il y a vraiment un choix créatif derrière, mais sinon. On the other hand, I found myself.
On passe maintenant à ce qui est vraiment le plus compliqué, ce qui donne le plus de fil à retordre, la mise au point. Une focus. Enfin, c'est pareil, mais la mise au point, un focus. Enfin, c'est. On va dire le focus parce que je suis bilingue. Ça, c'est le plus gros défi quand tu te filmes tout seul. Ah ouais. Déjà, pas d'autofocus. Pas d'autofocus. Sauf dans un cas. Mais sinon, pas d'autofocus. Parce que tu vois pas que quand tu filmes, pendant que tu filmes, le focus change sur un autre objet et ça va tout foutre en l'air. Ton plan, il sera complètement raté. Surtout si tu fais un plan assez long. Donc, manuel, 99% manuel. Je me rappelle la première fois que j'ai voulu me filmer tout seul avec ma caméra, ça s'est très 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 mal passé. Je suis rentré chez moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Parce que à chaque fois que j'essayais de mettre le focus sur moi, je venais sur ma caméra, je mettais le focus, je partais, je regardais, j'étais flou. Je revenais, je tournais un petit peu, je revenais, j'étais encore flou. J'en ai eu marre. Je suis parti chez moi et je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Donc à partir de ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans des livres, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé Bon, des tout ce documentaires, que je j'ai regardé raconte là beaucoup de est vidéos sur complètement YouTube, faux. comment Tout ce faire, que j'ai fait, c'est que sur je suis Internet, j'ai parti sur regardé YouTube et j'ai énormément de regardé vidéos, des j'ai tutoriels, énormément comme je fais filmé, j'ai réussi d'habitude. à mes points et tout. Voilà! Et le truc, c'est que faut mettre un objet là où t'es, un objet assez grand, de préférence, hein. Généralement, moi, j'utilise un trépied, comme ça, je le mets là où je serai, je règle le focus et je me mets là où j'avais mis le bâton, là. Comme ça, après, je suis sûr que je suis en focus. Et aussi, faut pas bouger. Enfin, faut rester toujours à la même distance de la caméra. Sinon, naturellement, tu seras hors focus. Par contre, quand tu dois absolument bouger et que la distance entre la caméra et toi se rétrécit ou s'agrandit, et que tu dois absolument être en focus, là, il n'y a pas trop le choix. Automatique. Et j'aime pas ça parce que je marre, je me dis, ah, j'espère là, je suis en focus. J'espère il m'a pris. Je reviens, je vois. Pas bon, je recommence. Je reviens, pas bon, je recommence. Non. Maintenant, je vais passer au cinquième petit conseil que je peux donner. Amuse-toi, bébé. Amuse-toi. Si tu vas te filmer je ne sais où avec ton trépied et ta caméra, c'est que d'une certaine manière, t'aimes faire ça. Et tu prends du plaisir à faire ça. Donc amuse-toi. Moi, par exemple, sur la séquence où je fais des ricochets là, j'ai pas fait un seul ricochet, j'étais démasqué en plus. Mais bon, c'est pas grave ça. Et même des fois où je faisais semblant de jeter des cailloux. Et je m'amusais comme un gosse. Après, moi, c'est moi. Tant que je m'amuse, c'est le principal. N'oublie pas que tu fais ça pour le plaisir d'abord. J'ai fait le plein de cailloux. Imaginez la police, elle arrive comme ça, après elle me contrôle, elle me dit ouais, vide tes poches. Et on voit, il y a plein de cailloux dans mes poches. Ils vont dire hey, tu fais quoi avec des cailloux, mec? Je dis rien. J'essaie de faire des ricochets. Et je vais terminer avec un petit conseil bonus. T'es absolument pas obligé de publier ce que tu fais. Et là, il y en a qui peuvent penser, ah mais pourquoi tu fais si tu montres à personne? Si tu le fais, tu le fais pour toi et personne d'autre. C'est simple. Là, j'ai une petite anecdote. J'ai une amie qui veut et qui, je l'espère, de tout mon cœur, deviendra réalisatrice. Elle m'a parlé d'un court-métrage qu'elle avait réalisé, mais dont elle aimait absolument pas le rendu. Limite, on en avait honte, en fait. Et l'erreur à ne pas faire dans ce cas-là, c'est de se dire que, vu que le projet, on le trouve nul, faut l'oublier, il faut limite le supprimer. Alors que, non! Non! Là, je vais dire un truc que je lui ai pas dit quand on en avait parlé. Dans mon ordinateur, j'ai un petit paquet de 4-5 films, je dirais, de films de moi. Des trucs que j'avais fait peut-être il y a 1 ou 2 ans avec mon téléphone. Des petits trucs narratifs, hein, comme je fais ces derniers temps. Sauf que j'aimais pas. J'aimais vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Je les ai montrés à personne. Personne! Même mes frères, je les aurais pas montrés. Sauf que je les ai pas laissés vieillir dans mon ordinateur, en fait. Je me suis servi de ça pour progresser. Ce que je faisais, c'est que je les analysais à chaque fois, scène par scène, et je comparais avec des films que je regardais, j'allais voir au cinéma ou que je regardais hein, sur Internet. Et à chaque fois, j'essayais de voir ce qui allait pas par rapport à ce que je faisais moi. Et ça m'a fait énormément progresser parce que dans la mesure où tu arrives toi-même à identifier ce qui va pas dans ton travail, déjà, tu as une satisfaction. Et en plus de ça, t'es sûr que les erreurs que t'as faites, tu les referas plus. Ah ouais, là, t'es sûr à 100%. Tout ça pour dire que t'as pas forcément besoin d'avoir un retour critique de X ou Y pour savoir ce qui va pas dans ton travail. Tu peux toi-même te remettre en question par rapport à ce qui se fait déjà. En tant que réalisateur ou vidéaste, t'as énormément
de choses positives à tirer en te filmant tout seul, en faisant des petits trucs comme ça à chaque fois. Tu vas t'entraîner, tu vas gagner d'expérience, tu vas apprendre des choses aussi. À chaque fois que je me filme tout seul, j'apprends un truc que j'applique après dans un projet pour un client. Tout le temps, à chaque fois. Et en plus de ça, quand tu filmes tout seul, tu fais un projet personnel. Tu as une liberté créative que tu n'as pas forcément quand tu fais un travail pour un client. Et à la fin, si tu n'es pas satisfait du projet, bah, tu ne le publies pas. Qui va te dire quoi? Tu travailles dessus, tu travailles sur ce qui ne va pas, tu essaies de trouver ce qui ne va pas et tu progresses. Si tu aimes, tu peux le partager à une ou deux personnes si tu es timide. Ou sinon, bah, tu le partages à tout le monde sur les réseaux sociaux, YouTube. Mais sache que si tu le partages, tant que ça a du sens pour toi, c'est ce qui importe. Le reste, il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, j'aurais fait ceci, j'aurais fait ça. » Tant que ça a du sens pour toi, c'est bon. Prends soin de toi. Et n'oublie pas de sourire à la vie. Bisous.